Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que tout sera très bien, c'était les câbles baisse, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre aventure sur Pokémon Émeraude Mérison en Nedeka Challenge. Alors tout simplement avant de commencer la vidéo, plusieurs choses à vous dire. J'ai XP mon équipe, du moins Malos et Magnéti niveau 11, Ginidoran passé niveau 15, et puis c'est à peu près tout. Et également en fait, j'ai accepté un défi, même si c'était pas le défi réellement lancé à la base, de un abonné qui s'appelle Gentim, hein, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais tu vas te reconnaître, qui m'a dit si je perdais un Pokémon dans la prochaine arène, et eh ben je devrais le relâcher, en gros, une règle de Nuzlocke, quoi. Eh bien, non, j'ai refusé car je n'aime pas les Nuzlocke, je pense que vous le savez pour ceux qui me suivent. Tout simplement, mais j'ai accepté une autre règle, si jamais je perds un Pokémon dans la prochaine arène, eh bien je me prendrai un gage valable pour l'épisode suivant, tout simplement. C'est une petite règle que je me suis... le défi que j'ai remixé à ma sauce. Mais ça risque d'être assez sympa parce que la prochaine arène risque d'être compliquée, donc je risque sans doute d'avoir des KO. Donc voilà, 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 voilà. Tout simplement, et on va donc pouvoir continuer l'aventure. Hein. J'ai pu voir vos retours sur l'épisode numéro 4, donc hein, ça vous a énormément plu. Hein. C'est cool, voilà. Allez, on est parti. Pokémon et le roi, regarde un peu. Voilà. Alors je pense pas faire un épisode très très long parce que je pense aller jusqu'au tunnel, puis ensuite après on va arrêter là. Matchock niveau 16, ok. On va accélérer un petit peu. On va baisser sa défense. Ok, ouais, ça fait que dalle. Ok, on baisse sa défense, mais après on va faire des doubles pieds. Ok, il a croix sans toute critique. Ah. Ok, ça enlève la moitié de la vie, donc en deux doubles pieds, t'es KO. Ok, on va faire le dernier double pied. Voilà. Si je mets Nidoran en premier, c'est parce que j'ai envie d'avoir Nidorina. Voilà, TKO, c'est génial, c'est réglé, c'est GG. Ah ouais. Allez, je vais faire un autre combat avec Nidoran, puis on va avoir Nidorina enfin dans la team. Ouais, d'accord, c'est ça, les pansements prouvent la résistance au combat. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Tu dis n'importe quoi. Un combat. Malos. Ah oui, pendant mon XP en off, j'ai rencontré des Tidji Ursa. Pas mal, Tidji Ursa. Si j'en trouve un, la Tidji Ursa, je vais l'attraper. Voilà. Je ne le disais à l'instant. Ok. Salut mec. Les Pokémon sexes sont résistants, battons-nous. Ok. Taki. Deux Pokémon. Charmillon. D'accord, Charmillon, mais tout va bien. Déjà Charmillon là. Ok, baisse sa défense. What? Mais t'es sérieux? On va switcher, hein. On va switcher, on va envoyer... On va envoyer qui, là? On va envoyer Magnéti, tiens. Et il a pas cagé clair, genre. Bon, bah, allez. C'est pas grave. T'es confus. T'es confus, ouais. Stridonçon. Ok. Oh bon, on va switcher, hein. Lui, qu'est-ce que t'as, toi? T'as une autre attaque que Flamèche ou pas? Non. Ok. Ouais, mais je suis dans la merde, là. Mais genre... morsure, allez. Tout va bien. Magnéti monte niveau 12. Nagal. Ok, Nagal. Cacnea, ça passe. Allez, tranchère, prends-toi ça dans la gueule. Allez. Mais genre... Allez, casse-toi. Ah, j'ai oublié. Allez, allez. Yes. Il a le poison. Et maintenant, trancherbe. Voilà, t'es KO. C'est réglé. L'affaire. Niveau 19 pour Cacnea. Ok. J'ai perdu, je croyais pouvoir te vaincre. Eh bien non. Tu crois à mal. Une combattante, ok. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Prenez pas attention. Ok, donc on va utiliser peut-être une petite potion quand même sur... sur qui d'ailleurs? Sur toi. C'est sûr. Et puis c'est tout, voilà. Parce que ça coûte cher. Toi, on va t'affronter parce que t'as des types combat. Oh, bordel. Allez.
Salut. Ah non, t'es une élève, t'es pas un dresse, t'es pas une combattante, mince. Je me suis fait everywhere. Jolie flore. Normal. Tout va bien. Ok, tu m'aurais été empoisonné. C'est bien. Ah ouais, mais fais attention là. On va Scarno. Allez, coupe. Voilà. Niveau 16 pour Nidoran. Il va enfin évoluer. Et rien du tout pour Scarno. Quel choc, j'ai perdu. Ouais, t'as perdu. Enfin, voir Nidorina. Et ça, c'est cool. Eh ouais, Nidorina apparaît. Si l'écran est si sombre que ça, c'est parce que c'est la nuit. Hein. C'est pas l'émulateur ou quoi que ce soit. C'est la nuit. Voilà. Mais non, mais je veux pas de toi, tu m'intéresses pas. Voilà. Bien fait, Nidorina. Donc. Ok, il y a un combat double. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Le combat double. On est des ouf, on fait le combat double. On va mettre Kaknea en Amber Wen et Nidorina. Ouais, allez. S'il n'y a pas de tunnel de construire, je passerai par en haut. Ok. Si tu nous vois sans issue, je m'en dis, on se bat. Ouais, si tu veux. Alors. Ok, vous avez pas beaucoup de Pokémon, c'est cool. Rakaillou et Balignon. Bon, bah, ça devrait le faire. Ah ouais, les niveaux sont... Ça le fait un peu moins, les niveaux, par contre. Griffe sur Balignon et Vampigraine sur Rakaillou. Ouais, d'accord. Ah ouais, Lance-Boue, ça inflige des dégâts, maintenant. C'est vrai. Bah, tu vas tèche Rakaillou, de toute façon. Dans deux tours, t'es mort. Griffe sur Balignon et morsure sur Rakaillou. Voilà. Peut-être plus que deux tours, remarque. Boule armure, d'accord. Ça va, tant que tu fais boule armure, c'est cool. Je vais pas lancer boue. Ok. Le vampire graine. Ouais. Griffe sur Balignon et morsure sur Rakaillou. Voilà. Au revoir Rakaillou. Ok, mais normal mon gars. Griffe sur machin, sur Balignon du coup. Et morsure sur Balignon. Ouais, ça je m'en doutais. Ah c'est le Montagnard qui a Balignon. Genre. Non par contre là ça va pas trop le faire, donc on va switcher en fait. Hein. Attends, on va envoyer Scarino, hein. Non mais. Et toi on va faire morsure, voilà. Scarino go. Voilà. T'as la trouille. Tu vas faire coupe et morsure. KO, voilà. Et l'ambré. Ok, bah coupe sur l'ambré et trancherbe sur l'ambré. Voilà. Mais genre, mais t'es sérieux? Normal, le gars, il évite l'attaque. Écoute, ça, du coup, ça fait une guérison, ça. Ouais, mais bon, on a remonté KO, là, quand même. Ah ouais, donc coupe, ça peut baisser la vitesse, mais pas à tous les coups. Ok. Niveau 14 pour Scarino. 4 plus 4 en attaque, bordel. Ça compte pas. Ça fatigue de perdre. C'était vraiment marrant, même si j'ai perdu. Ok. Je voudrais pas rester ici pour me tenir compagnie. Non. Ok, c'est pas grave s'il n'y a pas de tunnel. Ouais, c'est pas grave. Rien à faire, moi. Un montagnard. On va être quelqu'un en number one, du coup. Hein, ouais. T'as pris tes chaussures de marche? Non. Pourquoi?
Racaillouf, ok, level 13, ça va aller vite. Un vampigraine. Les racaillots, la reine, on en a affronté des tonnes et des tonnes, hein, vous savez. Si on n'est plus à un caillou près, comme on dit. Ok, mais tout va bien. Je me ferais mieux de me taire, moi, quand je dis que je n'ai plus à un caillou près. Hein. Ouais, Malos. Merci l'antivirus de venir, mais je t'ai rien demandé. Flamèche. Ah bah oui, mais bien sûr. Ok, t'es brûlé, c'est ce que je voulais. Il a la burn, il a le vampigraine. Il va crever très prochainement. Genre, tu fais ça normal, toi, t'es... T'as cru que t'étais à la teuf ou quoi, mon petit gars? Ah, coup critique, ça passe. Niveau 12 pour Malos. Apprends une autre attaque que Flamèche, ce serait cool. Non. Grave à l'anche. Eh, sauf que je suis un peu dans la merde, là, en fait, hein. Je suis dans la merde. Ok. Ok. Ouais, je suis dans la... vraiment dans la merde en fait. Ouais. Ouais, j'ai perdu ce match, je crois bien. Heureusement, je devais dire que les racailloux. Blablabla. Ouais. Mais va te faire foutre. Clairement, va te faire foutre. Ouais, bah ouais. Oh, bordel, il fait chier. Attendez. Ouais, non, sauf que là... ouais. Non, ouais. Ok. Bon, on a perdu, hein, écoutez. Hein. Pas de soucis, hein. Enfin, pas de soucis. Pas de problème. Bordel. Allez, Flamèche, en l'espérant le burn. Ok, il l'a pas burn. Quel dommage. Ok. Bah voilà, on a perdu. Donc on a perdu la moitié de notre fric, c'est ça? Ouais. Ah, fait chier, tiens. Ok, bah on va y retourner, hein. Du coup, on a que ça à faire. Bordel. Niveau 20 Pococnea. Ok. Eh ben dis donc. Aïe aïe. C'est moi qui. C'est moi qui devrais dire aïe aïe. Hein. Ouais. Refuge des foreurs, ok. Ah, que se passe-t-il? Je creusais une chaise sans aucun souci quand cet imbécile m'a chassé. C'est un record de Pokémon qui réagissent mal au bruit fort. J'y pourrais créer un brouhaha. C'est pour cela que nous avons arrêté d'utiliser de gros enchants pour creuser. J'ai peur que cet imbécile agisse stupidement et effraie les Pokémon qui crée un brouhaha. Voilà. Ok. On va récupérer l'objet. Spécial plus, ça sert à rien. Ça va être revendu. Vitesse express. Il y a un objet ici? Non. Non plus. Ok. Et là, il y a un objet là? Non. Bon. On va aller par là, monsieur Pico. Monsieur Marco, pardon, pas monsieur Pico. Oh, que vais-je faire? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ce vaut rien à filer avec mon cher Pico. Oh, Pico, Pico. Oh, plus de brouillard. Ils l'ont changé, le tunnel, mais raison. Votre maïti en premier. Ils l'ont changé, le tunnel, mais raison. C'est cool. Ok, la sbire est là, comme d'hab. Pokéball normalement. Ouais.
Alors, tu me suis? Ouais. Je vais te bastonner, c'est ça? Ce Pokémon prend un otage, je me sers à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par celui qui mène nulle part. Et toi, alors tu veux battre contre moi? Alors, on va voir si c'est bien. Alors, on va voir si c'est enfin le même sbire ou pas. Si c'est Noël, c'est le même sbire. Ah non, c'est pas le même. Ah bah, on a enfin notre réponse, c'est pas le même. Carvana. Ok, mais sauf que non. Pourquoi j'ai mis Magnéchi du coup? On va changer Mascarano, hein. Par contre, les sbires sont toujours aussi nuls, hein. En termes de level. Ok, bah. Voilà. Ça, c'est. Ça change pas. Ok. Ah, ma carrière de criminel finit mal, là. Ah, c'est la fin? D'accord, je savais pas. Ah, bah, bonne retraite, hein. C'est vraiment pas juste. Le chef m'avait dit que ça serait simple comme bonjour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler un paquet chez Devon. Pff, si tu veux vraiment, t'as qu'à le prendre. Ok. Pico, tu es sauf, quelle joie! Pico te doit la vie. On m'appelle Monsieur Marco. Et toi, comment t'appelles-tu? Ah, alors tu es Lucas, je te remercie infiniment. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Tu peux me trouver dans ma maison, en bord de mer, près du bois Clémenchi. Ok, je vois, c'est pas de soucis. Allez, viens, Pico, rentre. Et Goélise, il est tout content, Goélise. Ah, il est tout content. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il y a ici un peu? Il y a pas de Pokémon. Il y a des Pokémon, quoi. On va voir ça. C'est Chuchemur ou autre? Tars. Ah bon? D'accord. Ah bon, on va te tuer. Hop là. Ok. Et à part Tarsel, il y a qui d'autre? Oh! Mais non! Alors là! Alors là! Ah, il y a des terrales! Ok! Hey, dis donc! Rentre, 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 rentre! Mais va te faire foutre! Bordel! Allez, encore une Pokéball, et puis ensuite on va faire une super, mais on va se faire foutre! Allez, rentre! Rentre, s'il te plaît, rentre! Bah super beau là, hein, t'es bleu, allez hop. Mais non, mais t'es sérieux? What? Ah, je te veux, hein. Bordel. Ok, t'es mort. Bon, je reviendrai je reviendrai peut-être un peu plus tard pour l'épisode prochain. Putain, sérieusement. Galekid. Non, j'étais trop eu dans mes jeux classiques, donc c'est pas trop la peine. Par contre, ah non, est-ce que t'es sol? Non, t'es pas sol. Hop. Bah, tu vas prendre ça dans ta gueule. Voilà. Hop là. Et c'est toi pour ça, avec qui? Galekid. Ouais, d'accord, ok. On va passer Magnéchi niveau 13, tiens. Hop. Genre, tu résistes. Il doit avoir une nature qui a augmenté sa défense spéciale, lui. Bah, eh oh. Ah, bah, il est là, l'original. MDR. Pourquoi je fais ça, moi? Désolé, c'est l'accéléré. Hop. Niveau 13 pour Magnéchi. Apprends une attaque, s'il te plaît, c'est cool. Ok. Allez, dernier combat pour la route.
Je vais me venger. Voilà. Ok, bon, pour tout à l'heure, je reviendrai en off, hein, vous en faites pas. Cette espèce d'imbécile a vite fait du crush, mais on va t'apprécier. Les dresseurs, on les fera dans le prochain épisode. Là, j'ai envie de. Pourquoi je fais ça alors que je pouvais aller en bas? Putain, en haut, je suis trop bête. Oh, comment ça s'est passé pour mon pack de Von? Tu l'as réussi, tu l'as récupéré? Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour ton essai, je te donne une autre Super Bowl. Ouais, bah. J'en ai besoin, moi, des balls, hein. Ouais. Ok, c'est cool. Ouais, bah oui, y'a pas de soucis, je veux pas jouer pour Russell, ouais. Et puis je veux aussi, Oui, bien sûr. Et puis je veux aussi livrer la lettre à Pierre à Miyukara, évidemment. Ça va venir juste après, juste derrière. On connaît par cœur, tout ça. Ouais, si tu veux me suivre, évidemment, mais évidemment que je peux bien te suivre. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe pas une, mais deux fois. Je serais à te demander, à quelqu'un d'aussi remarquable que toi. Je sais que tu dois livrer un paquet au chantier nasal de pauvre sel. Sur la route, pourrais-tu faire une petite halte à mon village Miyukara? J'aimerais que tu remettes une lettre à mon fils. Ouais, enfin Pierre, son fils, quoi. Ouais, ouais. Tu dois savoir que je suis un grand directeur. Je ne suis donc pas avare au point de demander un service sans rien en retour. Alors j'aimerais que tu prennes ça. Le Pokénav, ouais, c'est ça. C'est appareil. C'est un navigateur Pokémon, ou Pokénav pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il a une carte de la région de Hoenn. Tu pourras facilement voir où se situe Miyukara et Pauvre Sel. À propos, j'ai entendu dire que des criminels magma ou aqua, je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Merci. Merci bien. Bien, Lucas, voyage prudemment. Y'a pas de soucis, toi t'as plus rien à me dire, toi? Ok, toi non plus t'as rien à dire. Ok. Ok, vous avez plus rien à dire, vous savez rien. Hop. On va pas parler aux gens, ça sert à rien. Et toi t'as quelque chose à me dire, toi? Ah, d'accord, ok. Ok, y'a pas de soucis. Bah, le pack de Von, je l'ai là. Je l'ai ou pas le pack de Von? Ouais, je l'ai là. Hé hé, la lettre aussi, là. C'est génial. Donc le Pokénav, on peut le voir, là il est là, ça y est. Carte de Hoenn. Voilà. Donc en gros, ça c'est tout ce qu'on va devoir faire. Hein. Après, tout ça. Et on voudrait aller au village Miyukara, ce qui est ici, et... Pauvre Sel, voilà. Bref, allez go. J'ai développé et ajouté une fonction au Pokénav. Et ça marche du tonnerre! Lucas, est-ce que je peux voir le Pokénav que le président t'a donné? Ah, c'est génial! Le mec, vous avez vu, s'est mis de profil, il a fait on sait pas trop quoi, il a entendu un petit bruit, et bim, voilà. Ouais. Ok. Ok. J'ai pas envie. Ah! Bordel. Ok, si tu veux, je vais appeler ton président. Allez hop. Oh, Lucas! Je suis content de voir que le Pokénav fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées. Alors tu auras plein de gens à appeler. Ça a l'air de te faire plaisir. Comment je sais ça? Je te vois de la fenêtre de mon bureau, pardi. Oh, c'est un comique ce directeur, dis ma foi. Ah, bah ouais, à bientôt. Si. Ok, je ferai bien de me remettre à travailler. Bonne continuation, Lucas. Ok, merci. Ah ouais, toi t'es là toi, enfin la prochaine fois. Hein. Non, on va pas faire ça aujourd'hui. D'autant plus qu'on m'a prévenu qu'elle avait un Pokémon de type assez bien chiant. Je pense que c'était Ral maintenant du coup. On va acheter 3. Ok, bah c'est génial, ça nous ruine, c'est cool. 7, on va garder 7, c'est bon. Ok. Eh bien, on va se mettre devant le centre Pokémon et on va sauvegarder parce que, comme ça. Ah oui, le bug de la boutique, ça le fait plus, hein. Quand j'ai éteint le jeu et que je l'ai rallumé, ça l'a plus fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors les amis, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici, hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, hein, un pouce en l'air, vous voyez, comme ça, au calme.
ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos impressions en ce qui concerne l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour l'épisode numéro donc 6 de Emerald, mes raisons en Neleka Challenge. Allez, ciao bye tout le monde, c'était Décable Best.